Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente. Oui. Comme d'hab, en même temps, j'ai envie de vous dire de vous retrouver pour une vidéo. Oh, l'action. Oui, ça faisait quand même un petit peu de temps, hein. Dès que le déconfinement est arrivé, c'est-à-dire la réouverture de tous les magasins, j'en ai profité pour aller chez Action parce que il y avait plein de choses que je voulais pour ma classe, pour mes enfants, etc., pour commencer un petit peu les petits cadeaux de Noël et tout. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ai quand même pas mal craqué pour Noël, donc vous allez voir pas mal de petites choses pour Noël. J'espère que ça vous plaira, vous donnera des idées, que ce soit pour vos enfants, pour offrir, même si vous n'êtes pas censé passer Noël avec toute votre famille. Ici en France, on a quand même le droit d'aller voir notre famille. Nous, on va rester ici à la maison avec mes enfants tout simplement, donc je prépare pour eux Noël. Et j'ai beaucoup acheté pour ma classe aussi parce que j'ai eu plein de petites activités manuelles. Et puis vous le savez, si vous me suivez déjà sur mes autres vidéos, je suis en train de faire des potions et du coup, il me faut du matos, hein, faut le dire. Et du coup, bah voilà, j'ai été à Action. J'ai tout d'abord repris le stock de papier cadeau parce que, en fait, j'en ai pas assez. J'ai acheté pour ma fille comment on appelle ça, une coiffeuse, une jolie coiffeuse pour Noël. Je vais pas trop crier parce que sinon elle va m'entendre. Et elle était à 35€, 34,90€. Je l'ai trouvée pas trop mal. Bon, après, j'aurais préféré quelque chose de plus blanc, plus basique. Elle est rose, etc. Mais voilà, je sais que ça lui fera plaisir. Comme ça, elle aura le même style de coiffeuse que maman et elle arrêtera d'aller fouiner dans mes affaires. Espérons, espérons, ou peut-être que ce sera pire et ce sera de ma faute, je ne sais pas. Pour mon fils, je lui ai trouvé ce petit jeu, donc pour le deuxième, il commence à être un petit peu fan des dinosaures. Du coup, je me suis dit que ça pourrait lui plaire, ça peut être très sympa. Avec, bien sûr, il y a de l'animation, etc. C'était autour de 6,90, donc non, 5,99 si je vous dis pas de bêtises. Et avec ça, je lui ai repris des dinosaures en plus. Les voici, comme ça, il a de quoi s'amuser avec les dinosaures. Ça, c'était à 2,99. Pour mon plus petit loulou, je lui ai pris un bus comme ça, scolaire, parce qu'il adore les bus, les tramways, les trucs comme ça. Avec mon autre fils aussi, les deux garçons adorent ça, même ma fille d'ailleurs. Donc là, c'est un bus à friction et il fait un petit peu de musique, on dirait des choses comme ça. Donc là, j'ai pas enlevé. Ça aussi, c'était autour de 5-6€. Donc voilà ce que j'ai pris pour mes enfants, c'est des petites babioles et tout, mais c'était pour compléter des plus beaux cadeaux, on va dire, de Noël. Mais voilà, pour avoir un petit truc en plus, je leur ai pris ça, je sais que c'est leur passion chez eux et... Ils y jouent tellement qu'ils les abîment vite, donc voilà, j'ai décidé d'en prendre un tout petit peu, je me suis contenue. J'ai pris pour mettre en bas du sapin, et ça c'est à cause de ma copine Nini, de la chaîne Les Folies de Nini, elle l'a présenté dans un haul action aussi. Et je me suis dit c'est une trop bonne idée, donc ça serait pour mettre autour du sapin. Tout simplement vous avez la possibilité de faire des petits parcours comme ça avec le petit train. Je suppose que c'est à pile si je me trompe pas. Et on peut le faire tourner autour du sapin. Donc je vais aller installer ça. Parce qu'on vient juste de faire notre sapin. Je pense que je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Je vais essayer de vous faire un petit vlog sur quelques jours. Et du coup bah je vous montrerai ça. Et j'avais acheté ça aussi pour mettre en bas du sapin. Je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas. J'en ai déjà un mais qui est tout gris. Donc là j'en ai pris un autre qui est un petit peu différent et qui est écrit Merry Christmas. Donc je vais voir, ça se met en bas du sapin tout simplement, ça permet de poser les cadeaux dessus, décorer votre sapin, que le pied ne se voit pas, donc c'est plutôt sympa. Pour mon fils, je lui ai pris déjà ça, mais il est déjà parti à la machine à laver parce que il voulait absolument l'avoir et c'est pour lui réconforter un petit peu parce qu'il s'est fait opérer et pour que bah ça lui remonte un petit peu le moral et le rebooste, je lui ai pris ce petit cadeau là. Donc ils étaient autour de 8,90€ je crois. Moi à l'époque j'avais acheté en promo le Spider-Man qui était à 6,90€, donc là ils auraient augmenté leur prix, mais bon. Ils sont plutôt qualitatifs, même après plusieurs lavages, ils bougent pas trop, donc plutôt contente pour mon fils. Pour la maison, j'ai pris un moule à cake tout simplement, parce que le nôtre a commencé à rouiller à l'intérieur. Pourtant, c'était de la bonne marque, hein, donc ça prouve que des fois la marque ça ne sert à rien. Hein. Donc là, c'est Made in Germany, il est tout simplement. Il a l'air plutôt pas mal, hein, donc je me demande s'il va rouiller lui aussi. Je sais pas, en comme ça, il a l'air plutôt pas mal. Deux petites dernières choses que j'ai pris pour mes enfants, après on va pouvoir passer un peu au scrap et tout ce qui est pour ma classe. Je leur ai pris deux puzzles, ça je sais pas si j'attendrai Noël ou je leur donnerai peut-être demain, histoire que ça leur passe un petit peu le temps parce qu'ils ont fait le tour de tous leurs puzzles à la maison. Donc j'en ai pris des nouveaux, qui étaient autour de 2€ si je me trompe pas, hein, les puzzles, en 50 pièces et en 24 pièces. Pour notre décoration, je pense que je vais mettre ça à la maison. J'hésite entre la maison ou à l'école, mais j'ai pris des espèces de trucs là, des stickers pour vitres. Donc là, vous avez un bonhomme de neige et un petit lutin. Donc j'hésite à mettre chez nous. Je sais pas ce que ça va rendre. Là, on a le bonhomme de neige et un petit ours avec des petits cadeaux et tout. C'est les deux seuls que j'ai trouvés dans le rayon. Il n'y avait plus rien d'autre. Donc ma foi, je suis contente d'être tombée dessus.
Au niveau papeterie, j'ai assez craqué, donc j'ai trouvé déjà des nouveaux stickers. Donc ma petite Mélanie de la chaîne Happy Together du 7 ou Méloana sur Insta, si ça t'intéresse tu me le diras. Donc j'en ai pris en double parce que je me suis dit que j'allais lui prendre pour elle aussi au cas où. Donc c'est des lots de stickers comme ça pour les planeurs, pour vos agendas, pour tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y en a un d'ouvert? Voilà, pour les fans de planeurs ça peut peut-être vous plaire. Donc c'est des carnets tout simplement avec plein d'autocollants qui peuvent décorer. Enfin ils sont vraiment beaux, hein. Honnêtement ils sont vraiment pas mal. Un petit aperçu, ils sont vraiment très sympas. Ouais, il y a des belles petites choses. Et le deuxième, il se présente comme ceci. J'en ai vu que deux différents. Hein. Et je vous le montre. Alors déjà, si je vous le montrais à l'endroit. Voilà le deuxième. Hein. Et il se présente comme ceci. Donc c'est le même style, hein, avec d'autres styles de petits stickers, des petits animaux un peu jungle, des étiquettes un peu jungle. Vous avez aussi des petites étiquettes avec des cœurs et des choses comme ça. Ça va être trop mignon. Donc si Mélanie n'en veut pas, bah, je les mettrai dans ma classe, je pense. Ça, c'est pour mon planeur. Si un jour j'arrive à reprendre mon planeur, il faut que je le termine. J'ai pris 4 planches de stickers comme celle-ci. Je ne sais plus exactement les prix, mais c'était vraiment pas cher. Si je retrouve mon ticket de caisse, je vous les mettrai. Hein. C'était autour de 49 ou 89 centimes. Hein. Et j'en ai pris 4 planches différentes, un peu sur la maison, sur cheese, love. Enfin, ouais, avec des petits mots un peu basiques comme ça, mais ils sont très très jolis. Pour ma classe, ça, j'aimerais bien qu'on tente de faire des petites cartes comme ça, un peu Merry Christmas. Donc j'ai pris l'embosseur en fait pour utiliser avec la Big Shot, parce que je voulais la vendre, mais finalement je me dis que je vais peut-être m'en servir pour ma classe. C'était pas cher d'ailleurs ça, l'embosseur c'était à 99 centimes. Encore une fois pour ma classe j'ai pris, et pour la classe de mon collègue, j'ai pris des petits carnets comme ça de stickers. C'est pas des stickers parce que c'est pas autocollant, mais c'est à vous de les coller tout simplement. C'est sur le thème de Noël, des sortes de carnets DIY ils appellent ça. Donc j'ai pris un petit peu comme ça sur le thème un peu noélique, on va dire ça comme ça, sans être forcément Noël. Et après j'ai pris des lots comme ceci, 4 lots, enfin, j'ai pris 4 lots comme ça. Donc ça c'est vraiment que pour ma classe, c'est la classe de mon collègue, avec des papiers, des stickers, il y a vraiment plein de choses, des tags aussi de Noël, vous voyez, hein, c'est des petits lots comme ça. Donc il y a des stickers, il y a des papiers, il y a des carnets, il y a pas mal de choses, il y a des trucs sympas. Donc pour ma classe ça va être cool là, pour nos dernières créations. J'ai pris celui-ci aussi, hein, qui se présente comme ceci, pareil avec quelques autocollants et des papiers. Je vous montre pas tout en détail, j'en suis désolée. Mais allez fouiner dans les rayons dès que vous avez l'occasion si vous cherchez ce genre de choses là. Donc à chaque fois à l'intérieur il y a vraiment des petits papiers, des grands papiers, des tags, là des espèces d'autocollants. Et des feuilles de papier tout simplement un peu sympa quoi. Celui-ci, j'en ai pris 4 différents. Je me suis fait plaisir j'avoue hein. Mais tous en fait sur le thème tout simplement de Noël, hein, le côté un peu hiver, Noël, sans être forcément en rouge et vert quoi. Non, je sais plus si. Je crois qu'il y en a. Ah non, j'ai pas pris deux fois le même. Je sais plus lequel je vous ai pas montré, mais il y en avait 4 différents en tout cas. Les 4, les voici. Et j'ai pris ça aussi pour ma classe parce qu'il y a certains élèves qui ont un privilège de pouvoir faire un coloriage. Je me suis dit que j'allais leur laisser choisir à l'intérieur. C'est des petits coloriages tout simples, hein, mais qui sont très beaux, je trouve, très sympas. Ça donne envie, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc ça. Et puis en plus ils ont un petit effet un peu, certains ont du relief on dirait, donc ça peut être très très beau. Donc ça c'est pour mes élèves encore une fois, oui vous allez avoir beaucoup de choses pour mes élèves. J'ai pris des bâtonnets de colle là pour mon pistolet à colle, d'ailleurs c'est celui de chez Action, il marche plutôt bien. Mais il y a deux bâtonnets différents, donc j'ai pris un de chaque parce que je ne sais pas la différence, mais le prix est un tout petit peu différent. On verra s'il y en a plus dans un ou si la qualité est mieux, je verrai. J'ai pris deux lots comme ça de mini petites boules de Noël. En fait c'est aussi pour ma classe pour essayer de réaliser des petits vifs d'or, histoire qu'ils en emmènent un chez eux et tout, ça peut être très sympa. J'ai pris des paillettes pour nos fameuses potions magiques, histoire d'avoir des petites choses à l'intérieur. Hein, des. Donc j'ai essayé de trouver des paillettes de différentes tailles, ça c'est un gros lot, c'était plutôt sympa. Parce que la dernière fois j'ai pas trouvé autant de choses en paillettes. Là vous allez voir que j'ai quand même pas mal craqué, donc j'ai pris aussi ça pour décorer nos petites créations. Je les ai en tête, j'espère que je vais réussir à les faire. Donc des petites étoiles. Et voilà, en paillettes, j'ai pris plein de choses. Donc là, avec des petites fioles, des paillettes, un peu toutes les couleurs. Je sais qu'il y en a qui en achètent pour faire leurs ongles, etc. Moi, c'est vraiment pour ma classe. J'ai pris celle-ci aussi. Et je crois que je les ai pris en bleu. Mais je sais pas où elles sont. Peut-être pas, peut-être que je les ai reposées. Je ne sais plus, je perds la boule. Donc celle-ci, on dirait plus des petites perles. Hein. Ouais, c'est des toutes petites perles. Hein. C'est pas des paillettes, ils appellent ça des crystals. Ici, vous avez dans les tons or cuivré comme ça, pareil, pas mal de petites paillettes, des grosses en haut et des plus petites en bas.
Dans le même style et dans les tons vert et bleu, j'ai pris celle-ci. Là, ce sont des petites étoiles pour info, hein. Vous allez rire, mais pour ma classe, pour nos fameuses potions, j'ai pris 4 pots comme ça. Je n'ai pas trouvé des grands, mais 4 tubes de colle, mais transparente, parce que pour nos potions, ça va être peut-être plus intéressant dans de la colle transparente. Et du coton, parce que pareil, j'ai des idées de création, donc j'ai pas trouvé de coton, vous savez, le coton un peu bouboule, là. Donc j'ai pris ça. Et j'ai repris ça, je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'en avais déjà acheté un pour ma classe, mais on l'a quasi déjà tout vidé. Donc j'en ai repris un deuxième, et pour réaliser des boules de Noël, un petit peu aux couleurs de nos maisons Harry Potter, donc Gryffondor, Serdaigle, etc., j'ai pris de l'eau de deux boules comme ça, transparentes, et nous on va, je l'espère, essayer de décorer aux couleurs de notre maison. Alors j'en ai pas pris pour chaque élève parce que c'est impossible, hein. Même si ça coûte pas très cher, ça revient cher à la fin. Mais je me suis dit pour notre sapin de Noël dans notre classe, avoir une boule de chaque maison qu'ils auront faite eux-mêmes, ça peut être cool. Et tout ça c'était pour ma classe, mais je n'ai pas fini. J'ai pris des petites choses comme ça aussi pour les élèves de mon directeur parce que moi je les ai déjà achetées pour mes élèves à moi. Donc là j'en ai repris pour mon directeur, j'en ai pris 3 paquets. J'ai trouvé ces petites pépites là, moi j'adore ces gâteaux là, donc j'en ai repris un paquet. J'ai trouvé les 3 derniers paquets comme ça de petits chamallows, des minimes chamallows. Ils sont durs à trouver, je trouve, à Action, il n'y en a pas tout le temps. J'en ai pris 3, un pour moi, un pour ma petite Emma que vous verrez sûrement dans un swap. Et pour ma petite Jessica aussi avec qui j'ai fait déjà aussi un swap. Donc elle en voulait un, je lui en ai pris un, mais c'était les derniers et j'en ai pas trouvé d'autres. Même en y allant une deuxième fois, je n'en ai pas trouvé d'autres. Ça, j'ai repris un petit paquet histoire de me faire plaisir. Pour ma maman, je lui ai trouvé des noix de cajou comme ça, sans sel, parce qu'elle mange sans sel. Du coup, bah, je vais lui envoyer un petit colis, j'avais envie de lui glisser des petites gourmandises. Ça, c'est son petit péché mignon, donc je lui en ai pris aussi pour envoyer dans le colis de ma maman. J'ai trouvé pour à peine 1€ des petites boîtes comme ça de chocolat, je trouve ça trop mignon. Et j'ai même trouvé une petite tablette de chocolat, est-ce qu'elle est là? Oui, avec écrit merci, je trouve ça trop sympa pour faire un petit cadeau en fin d'année, vraiment avec d'autres choses évidemment. Mais voilà, la petite touche comme ça, ça peut être trop trop cool. Et pour mes petites créas par rapport à ma classe et tout, j'étais en manque de colle. Donc celle-ci je l'ai laissée chez moi parce qu'en fait chez moi j'ai tout emmené à l'école et puis chez moi j'avais plus rien. Donc j'en ai racheté des comme ça. Celle-ci, je suis fan, mais en même temps pas trop fan parce que c'est pas de la qualité de dingue, mais ça dépanne. Donc voilà, j'ai repris juste ça. Voilà pour tout, mes petites trouvailles. Alors sachez que moi, j'achète très peu au niveau beauté. Et là, je vous avoue que j'ai pas vu des merveilles dans le rayon beauté. Si vous, vous avez trouvé des belles petites choses chez Action, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, surtout, n'hésitez pas à me raconter tout ça, à me donner envie. J'avoue que... quand j'y vais pour un truc, je ressors avec 20 trucs, ça me rend dingue à chaque fois, parce que à chaque fois je prévois pas le caddie, je suis chargée comme un bourricot pour retourner dans ma voiture, enfin, dites-moi que vous aussi, hein, dites-moi que vous aussi c'est comme ça, parce que ça m'inquiète quand même. Heureusement, je me restreins à y aller qu'une fois par mois, et j'essaie d'y aller avec une liste, c'est pour ça que là j'ai acheté beaucoup de choses pour ma classe, parce que je savais que je voulais plein de petites choses que je n'avais pas et que j'étais un peu en manque et ça me stressait. Du coup là je vais pouvoir finir mes potions avec mes élèves et je suis trop contente. J'espère vous en parler d'ailleurs dans ma vidéo vlog, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne pour les intéresser, même si oui c'est encore en lien avec Harry Potter, mais je suis désolée. En tout cas là il n'y avait pas d'Harry Potter, il y avait juste des petits prix, des bonnes affaires. Évidemment je le sais, on n'est pas obligé d'acheter tout ça, hein, mais moi, j'avais plein de cadeaux à faire, plein de choses à acheter et j'avais envie d'acheter des petites choses pour mes enfants, donc je n'ai pas résisté. Oui, j'avais envie de me faire plaisir. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse fort, je vous dis à très très vite. Salut !